Étienne, Symphorien, Kalala, Mbalandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko, Bayimboka, Botena Binobanso. Wanzoguwa Penzi, Wanainchi Ote, Nawasalimi Yaninyote. Banabetu, Basuwe, Moyoweno, Bonso. Bampangi ya Mounou ya Luzolo, Bampangi ya Vincent, Mbote na Benou, Yonso. Ana, Lengo, Moyanyo, Tché. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Voilà, bande konabiso babolingo, tokutani li sousou. Bon, tosi to pesanimbote, mais toki kopesana pembote pour la deuxième fois. Bonjour ou bonsoir, là où vous vous trouvez, mbote na beno. Hamo Ana lengo moyanyu. Voilà. Ce soir, nous avons deux citations. Nous allons nous atteler à comprendre comment le mandant Semi a été arrêté. Et nous nous indignons là-dessus. Et puis, ton côté la paix des dossiers, il y a Vital Caméré. Bon, tu y es bien que y est, Batini dossier, déjà dans le tribunal, il faut comparaître le 11 mai. Bah, fixer coûte la date déjà. Bandeko, Toyebisana, la vérité. Jean-Pierre Bemba, Azalagi na prison, na la haie, na CPI. Mais salaire na ye, et Bandagi ko kende, toujours, ba Bandagi ko foutaye. D'accord. Tolongolanan, ba infraction, il y a Zachary Badiangila, alias Nemwanda Nse. Oui. Tolongolanan ba infraction na ye. Il y a tentative de sédition, et puis le tribalisme, c'est-à-dire ba originaire y a Congo central, Balongwa, Batika Congo central, tout ça, ces infractions-là qui lui sont imputées, bon, totika. Mais, à la raison, salaire na ye, na période de Bakangaki, Bafoutayango, quand même, l'État a Foutayango. Atabakangiye, bon, Azan, un numéro de compte, tout ça, va régler nos problèmes. Et puis, le mois d'en semi, malgré ses adeptes, Azan Moutoumoko, Azan, bah, problème Moko, psychique, ça, on ne peut pas en douter. En tout cas, Moutoumoko, Koyeb, c'est bisoté que le mois d'en semi est normal. Vous avez déjà vu tout ce qu'il profère là. Est-ce que c'est une personne normale? Il a un problème psychique, il doit voir un psychiatre. Quelqu'un qui affabule tout le temps dans le monde des ancêtres, dans l'au-delà. Nous avions des réunions, il y avait même Nelson Mandela qui a participé. Oh, Bandeko. Moutiandengo, on a vraiment. Il ne faut pas le considérer comme une personne normale. Bon, il a une partie de la conscience normale, mais il a une grande partie de psychose. Psychose, c'est-à-dire maladie à mon Oui, psychose. Oui. Psyché, zali, âme, esprit. La langue est grecque. Donc, et puis ça, moya psychose. Psychose, ozoana, bakisakawana, c'est-à-dire maladia psyché. Psyché, PSAP psychologie. Donc, la personnalité naïe, et ça la maladie. Donc, asa normalité. Bon, on a capé, bakisto, ya, ça la calure, bango, baso yimba, banzé, mona bangoana, bango, ben, baso participer. Donc, détruire le monde, c'est mis.
hein, une destruction psychique, psychologique. Donc, bafoutaillé, mbongonaillé, ça, c'est normal. Likambwesilawana, bafoutaillé, mbongonaillé. Mais, kokangabakangiye, bon, akene na barre. Le rakokene na barre, na ebite soki, ba avocat na e bako plaide, est-ce que moutoyo, azana ba faculté na e, toutes les facultés? Bon, ils vont juger. Il a ses facultés, mais ses facultés ne sont pas complètes. Bon, au juge de voir ça. Et puis, deuxièmement, ce n'est pas facile. Attendez, chers compatriotes, Babenginga Nakin, Bozalamouké. Allô, Ndeko Gaston Yeye, ça va? Allô? Oui, bonsoir. Zela na matisse volume. On surprendre ngai na kati ya émission, mais bon. Tokataka émission. Chers compatriotes, on va continuer après. Dès qu'on a vu Gaston Yeye, Azali grand analyste, Azanakin, comme ça, Azalakalaba quartier Wana, donc Azalakaba investigation, il est très fort. Donc, Tosololana Naye, Azal correspondant à Bissot. Voilà, Ndeko, Tobandaki, Kosololali Kamboya, Zachary Badiengila. Bon, Tobandaki Kolakisa a été, bon, est-ce que Azan a raison, Dengazo Senga Bambongo Naye? Est-ce que Azan a ba faculté Naye complète? Parce que Bissot, Tozali, comment on a été. Azali kobela à moi psychose, ba makambo ya bimisaka, ba gesto ya salaka, est-ce que psychologie na ye psyché, oui ba grec ba loba psyché, oui pe sa pe psychologie, est-ce que psychologiquement, psychotiquement, est-ce que azan ba faculté yon se complet? Et puis deuxièmement, na bandai koyeb sa bande koke, bon, ce n'est pas facile de passer d'un état failli à un état de droit. État failli, bon, c'est-à-dire état où il y a pillage, tout ça. Mais tu es comme un état de droit. Mais tu monique que bah policier, est-ce que Bazala qui formait, est-ce que Bazala qui formait t'es? Bah, quelque chose quand on m'a bah, pillé les sous, bah, télévision, bah, matelas, tout ça, je ne comprends rien. Donc, vous pouvez me parler un peu de Zachary Badiengui, là, de sa personnalité, de tout ce qu'il a fait? Ok, merci Deco. Zachary Badiengui, alias Nemwatafemi, Azali, effectivement, compatriote Nabiso. Oyo, Soki, en courant ça, ma kamounaï, bien, na, ba faculté naïe, mental, ni en son place. Certainement, n'a pas à la lilière, monnaie n'est pas na, Congo central. Mais malheureusement, côté fort naïe, quand je parle du côté fort, les alliés, capacité, il y a leadership, poison en haut, de mettre les gens ensemble. Oui. Il y a un étudiant, la dengue à ma bé. Un étudiant, malheureusement, la dengue à ma bé. Au revoir, tes bateaux, dans le service, n'a eu pour revendiquer, pas droit, oh, il y a eu la personnelle. Azui, une bonne frange, il y a jeunesse, au bateau, quoi, on a combat, n'a eu. A tes bangos, bah, bunda, pour la cause, n'a eu. Tant, alors qu'il ne couffa, bah, au couffa, mais il y a d'autres qui ont envie. Parce que revendication là est sur la dernière bien isolée basée sur la politique. Il n'y a rien de spécial où il y a à réclamer par rapport à la politique en Boka. Il y a isolé kaka na ma réclamation là est soi-disant ben monument là est.
oyo abandaye ozwa souci alors que azalaki député azo réclamer kaka ba indemnité de sortie na ye oyo azalaki ozwa te vers la fin ya mandature na bango. Et puis soki alingi akende mwa moke na cause commune, malheureusement azokende yango kaka sur le plan ya tribalisme wana alobi nkamba Congo central. Donc à dire vrai, pour conclure, quand on tient le bas, que les Colombiens soient allés dans le problème, il y a Moutou. Moutou, ils ont bien été. Parce que, Makamba Lobaka, Makamba Salaka, sont allés Moutou dans un paysage, ils ont mal à Moutou. Un grand leader Congo, le Congo, dans le camp de Yéwana, a commencé à se comporter dans ça. Donc, Moutou, ils ont bien été. Alors, oui, ça, je valide. Respect, hein? Oui, oui. Par respect, il y a. Qui m'ont monté en tant que Bantou et n'a pas commenté sur YT parce que n'a monté quand déjà mon toit perdre raison, mon tout n'a pas mis à la qui n'a pas suivi en l'obal et quand même. La publicité pour les Nabissons, dernier, bâtiment beaucoup sur YT, n'a qu'il y a sans que ça la MAP parce que n'a cadre au Kanganimwana, brutalité comme ça m'a pas eu ni comme à ma casse dans nous autres. N'a pas effectivement, je suis monté dans mon tout. Mais on est la gravité, va se pas soigner, va stabiliser. Nous avons déploré le loi, il y a Batou, il y a Ranaïe, bonjour, Bazaki, comme nous avons dit, Batep Naïe. Ah oui, c'est triste. Hein? Bilan, oui, d'après bilan, la police, Baza, au moins 8 ans, Bakoufi, et puis Batkonsen blessé, et Bamoussou, Baza, grièvement blessé, Baitan, Baouza, quand même un peu grave, et la passe. Alors, on a suggéré dans la police, prochainement, on va éviter acte de pillage au Tomona Kiwana et Zamalambe. Parce qu'on va travailler pour l'État, on ne doit pas aller travailler en même temps contre l'État. Contre l'État, ça va pillage au Bassali, au vu au-dessus de tout le monde, et ça les soumis à la police. Mais si quoi, là, est-ce que Tokolo Bakeza échec, il y a Général Kasongo? Des échecs, au contraire, Kasongo Sali Moussana, il y a quand même la police. Dans le cadre de la réforme, ils appellent la rééducation à la police dans le biseau. Dans le cas de la police, la police, pas par amour, il y a aussi l'État dans ses drapeaux, bah, la police, par manque à Moussa, la passe, et qui a préféré comme un policier. Mais bah, alors, ce sont des gens comme ça qu'il faut encadrer, qu'il faut coéduquer. Pour qu'un policier ne peut pas voler. Mais oui, hein. Quand je suis en Moussa, là, bien, parce que lui, il était pour le professionnalisme à Katongo. Monsieur Badini, il ne serait pas arrêté. Imaginez, il avait plus de 200 personnes dans l'Opangonaï. 200 personnes avec des armes, des munitions mystérieuses. Alors, ceux qui sont allés professionnels, ils ont été beaucoup surveillés. Or, aussi longtemps qu'il était tranquille chez lui, libre, il allait continuer à tuer nos populations. Donc, quand son affaire, bon, ça allait bien. Ok, merci beaucoup. Tole Kasiko, la. Ancien directeur, il y a cabinet, il y a Joseph Kabila. Tomoni na Facebook, na YouTube, na presse écrite. Bon, ma information moko boye que Nehemi Mwilanya a salaki menace auprès, il y a ministre de la Justice, Tunda ya Kassende. Mais Nani a riposté, Tunda ya Kassende, ministre de la Justice, a riposté à l'objet des fake news. Je me demande maintenant, pourquoi est-ce que Nehemi Mwilanya, c'est lui qui a vu tout ça, il est au courant de ces informations-là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas contesté? Et c'est lui qui prend le devant pour contester, c'est le ministre Tunda ya Kassende. Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, mais je ne vous entendais plus. C'est maintenant que je vous entends. Ok, je vais répéter. L'ancien directeur du cabinet de Joseph Kabila, oui, aurait menacé le ministre de la Justice concernant l'arrestation du directeur général de Foner, des menaces de, d'arrestation de, du directeur général de l'OGFREM. Et il aurait proféré des menaces contre lui en disant que si j'apprends encore que
quelqu'un du FCC est arrêté, bon, tu vas voir, il paraît qu'il y a des menaces de mort. Maintenant, Nani, Némi Mouilania, y est à contester. Il n'a pas contesté. Message wana est tamboli na Internet, na Facebook. Sikoyo Tunda ya Kasende, le ministre de la Justice a lobby et a fake news. Asiliki a lobby et a fake news. Ponani était ministre, non, ancien directeur du cabinet de Némi Mouilania, y est à contester. Pourquoi? Ok, très bien. Ce qui est d'abord vrai, c'est que aussi longtemps que preuve les a été à propos Anna, c'est difficile d'affirmer ça. Parce que tout le monde ici, comme mon côté Oyo, Némi a conduit pas Bengi pour aussi longtemps à démentir et l'autre pour mon côté, bon, on ne sait pas. Donc, on a tout dans le but des vrai été. Bon, pour faire bénéficier Bango, on a bénéficié à doute. Mais le cas Tolobara, généralement, il n'y a pas de fumée sans feu. Parce que, il s'assoit dans le cas qu'il y a famille politique, il y a quel président, famille politique, il y a ancien président de la République, bah, lui, jamais, en n'est mon corps. Donc, dans la famille à Joseph Kabila, bah, à tout ce qu'on a raison, c'est posé par, bah, collaborateur, n'ayez, on y a pas, bah, collaborateur, monsieur, bah, on s'est pélaté. Bah, on a, bah, mécontent, des, bah, comme, il me semble, information, bon. Alors, sur l'information à Nézaïa Solo, alors, Némi, dans tout ça, là, bah, acte contre-productif. Parce qu'il est censé protéger l'image de Joseph Kabila pour que la population l'y aille. FCC, ils ont espoir, il y a Ozonga, les sous-sous, dans la gestion, il y a Mboka, dans le sommet. Ils ont la base de Kabila, où, là, où, tout, c'est quoi. Pas rêvé, le coin de moi, alors, ceux qui vont venir rêver dans Bango et prendre corps d'une manière ou d'une autre, ils ont intérêt à composer ma acte, Oyo et aussi ma montée ma population. Mais bien Et ceux sûr, qui... parce que Ah. Toyogi que Bazali consacre la pression à la justice. Mais, Pourtant, alors, le président ceux qui vont Yacoub constitutionnel a Katili Kamwalobi, ministre de la Justice, jamais a visité ma prison, jamais a se mêler dans ma cambo à ma procureur. Hein? Donc, ce qui, Némi, qui est censé être modèle en tant que numéro 1 FCC, celui-là, ça, du Loka Bongo, les contre-productifs, au FCC, maintenant, de réfléchir, pour les raisons qui les poussent à faire ça. Parce qu'on est en politique, il faut soupçonner tout le monde. Voilà, ils ont les camps. Mais ce qui est ça, que Némi n'a pas fait pression par rapport à ça, et le lobby, bon, c'est des bonnes guerres, dans un période où il y a des manœuvres politiques, il y a un cassis. Chaque famille politique a donné le cas à salir la famille politique, parce que tous les faits et gestes, nous sommes actuellement, c'est à la consommation de la population. Donc, c'est des bonnes guerres. Ce qui est vrai par rapport à la situation italienne, en cambas de justice, la population actuellement, ceci les alliés, aussi longtemps que FCC, la population va conclure que FCC n'a bloqué la machine, alors FCC a espéré le mon côté de la part de la population 2023. Il pèse à côté à cash, cash à Ebate, à deuxième mandat, donc ils ont intérêt de part et d'autre à bien jouer les jeux. Moïbi, Aza Mais oui, hein. Moïbi. Alors ça, à ma il faut qu'on soit la même chef de l'État, celle actuellement, directeur de cabinet, n'aille à se méconduire, malgré sa liée, n'aille politique. Mais, à Kanyi Mounoko, quoi qu'il soit, les magistrats suprêmes, à Tiki Justice, c'est ça, Moussa, pour que ait servi un exemple, on a battu au Sobatika. Donc, tout le monde est ensemble, là, à Bongo, vous voyez bien que, en tant que politique, les locaux, la formation politique, les locaux, c'est comme une odeur, on n'étouffe pas une odeur. Mais Sur oui, la hein. chose, donc, si les FCC fait ça réellement, on le saura d'ici la semaine prochaine pour y parvenir. Sikoyo, concernant feuilleton Roubaix-Roi, yo confirma qui, et puis n'a bon ipé na presse, que ba kangaki, ba arme Minduki, na lopango ya Roubaix-Roi, pe na lopango ya Ndeko mosusu na boseni kombo na ye,
Mais si quoi tu as un stade ni est-ce que tu as une fuite d'après ma investigation d'ailleurs? Parce Bon, que pour l'instant, fuite exactée, mais ce qui est vrai qu'avec Fatih, et le remords éthique à la impunité exactée, surtout bah, acte Oyo, ils ont qu'un sens, il y a qu'au privé, pas trop à droit, dans le les plus légitimes, aux Isali, pour permettre Batoba dans la vie. Parce que tant qu'on séquestrait Bato, à l'insu, il y a l'État. Et ça, le cause au moment déjà, bah, toi, un petit feu, à tout moment, quoi, bon, bah, on t'aurait batté. Donc, c'est un acte très grave. Alors, vu son statut, depuis parcours, elle est passée vice-président de la République, actuellement ministre, ministre, ministre. Alors, les Cambois, bongo, y a Moutouara, bongo, bah, qui n'en a pas, bon, bah, côté. Donc, ils ont la bête, t'as pour faut respecter. Et puis, actuellement, il faut pas peu qu'on sature, toi, dans la situation d'urgence sanitaire. Ah bon, c'est pour ça. Oui, donc on mélangeait ma campagne, ma cache et belété. Nous avons dans la situation, il y a Dirka chef de l'État, avec toute une liste de Batou, Nassimanae, Belé, au Baza Batou. Parce que quand quelqu'un, Azam ou Azo, gère bon à l'État, Azam, un million, quand on gère son dossier, il faut faire très attention. Alors, le roi Bangonio, soit va détourner, qui va million, va million, va million, prendre encore un autre dossier qui n'a pas très. Dans il y a détournement à 100 jours, ajouter d'un poids lourd encore comme Robert, ça peut même brouiller ma piste et adossée au bazar de l'actuellement. Moi, à mon sens, je pense que, okay, étape par étape, on va traiter dans on va traiter pour Robert, comme Bakanaki, la flagrance, bah, monde déjà que c'est une Flagrance, réalité. vraiment flagrance. Voilà, apparemment bah, que c'est une réalité, il faut aller avec méthodiquement. Et puis, autre chose, il faut savoir que les Cameroun, toujours, bah, il y a FCC, là, que. FCC doit faire attention. Robert est du FCC. Mais sur Bakanyé Nakabongo, le ministre qui est en fonction de la justice, un ministre du FCC. Mais s'il si ferme les yeux à des cas comme ça, parce que même si, tu l'oublies que, tous les amants aussi ça dossier à Caméré, mais c'est un dossier pour lequel il fallait déjà saisir les procureurs Mais pour que, oui, mais pour oui. instruire déjà Dans l'information mon au cours. silence radio côté à l'État, et après ces obimatés, et aucun de bouche à oreille des rumeurs. Et c'est comme ça qu'on peut étouffer les dossiers, l'équipe. Mais je crois qu'avec Fatih, les collaborateurs, il y a vraiment beaucoup de réformes, il y a ça là, dans le bah, service à l'État. Parce que pour des cas comme ça, il faut qu'il y ait un informateur officiel, il y a service à l'État. On arrête les gens des grandes personnalités du pays. Population a besoin d'informations, il y a pour Luka, mais officiellement, il n'y a pas une voix qui s'est donnée de l'information pour qu'on sache ce qu'il y en est. C'est ça le problème. Donc, esprit républicain, il fait quota, à bas service, non, soit l'État. Quand on donne l'information, on le fait sans émotion, sans état d'âme, sans tenir compte des familles politiques. Il faut des fonctionnaires de l'État. Ouais, ça a un rôle là. À éviter qu'on a ça, ah ouais, on a pire formation. Il y a poursuite judiciaire, il y a moutoise à la FCC, tout cache. Sur Bakangi, il faut un pire d'information. Ce qui se passe jusqu'ici au Congo, ce n'est pas normal. Les cas, par exemple, Geoffrey Mulobiwana. Oui. Comment un DG est soupçonné de détournement? Il y a vu ça, il y a justice, il y a interpellé Azouvanabango, qui a aussi présenté Kounate, va-t-il des questionnaires à répondre à un questionnaire Wana, ou soit, va y a conditionné un bureau. Ce n'est pas normal. Ça dit qu'il s'en fout de la justice. Donc, pour lui, il voit que. Tous ces messieurs de la justice, quand sont des pauvres, bah, il n'y a pas naïe, comme ça, quand il y a corrompre, bah, ce sont des choses qui doivent s'arrêter. Donc, Banda Kalawana, donc, à comment la justice t'est? À Komaké, il est toujours soupçonné d'être à l'ambassade tanzanienne, jusque-là, et quoi, tant mon coïsaté. Mais Mais Balobaki que suivant Bengana qui est dans l'ambassade, il y a Tanzanie, à qui est dans Bandal, Bamoni est dans Bandal. Dans l'histoire, Bandal était fausse. Je vous Hein? l'avais dit la fois, c'était dans le coup. Ah Hein, oui. vous voyez actuellement les gens supputent, hein, et quand les gens supputent, sur la monnaie, supputation, naïe, bah, tu vas soutenir en gros, allez, t'es combien de formations? Actuellement, les gens supputent. Ils ne peuvent pas prendre les risques d'aller se promener comme ça. Parce qu'ils connaissent que ce n'est plus les présidents Joseph Kabila qui est en fonction. C'est Fatih. Et pour le moment, la justice, quand même, moi je dirais que pour le moment, en dehors, il y a ministère de la justice qui est FCC.
les fonctionnaires de l'administration de la justice, ils sont apparemment maintenant pour les pays. Parce Ah que oui, si hein. vous avez lu Ils sont pour l'état de droit, hein. si vous avez lu les échanges entre les ministres de la justice, les procureurs près de la Cour de cassation, et puis le président de la Cour constitutionnelle, au moins actuellement, il y a un bras de fer terrible actuellement. Donc, ensemble, ça, là, maintenant, ils travaillent pour l'État. Mais Donc, oui, hein. c'est comme ça que les choses doivent se passer. Ok. Ndeko Gaston, na ebite soki oza na likambo mosusu na moni tokokisi déjà plus de 20 minutes. Normalement, tosololaka 15 minutes. Bon. Non, pas grand-chose, kaka, kosinga na bandeko banso, moto na moto, selon lingomba na ye, parce que oui. na makambo ya bonzambe, vérité absolue, elle a la terre. Pour toi, en tant que musulman, dans le monde, c'est un musulman, il y a un chrétien, dans le monde, c'est un chrétien. Tout ce qui est un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un coronavirus. Ah, je me souviens. Je me souviens. Comment expliquer que le président de la République, Bakoutani, ancien président de la République, qui est sénateur à vie, si que lobby nango ou bien le lendemain, bah changer bah dirigeant et la garde républicaine, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a un lien? Et puis de quoi ils ont parlé? Il y a trop de rumeurs jusqu'à présent. Bon, comme c'était une rencontre officielle, il y a chef de l'État et puis les chefs de la majorité parlementaire. Bon, ils ont décidé d'évoluer dans une coalition pour gérer ensemble. Donc, c'était une rencontre politique de haut niveau du pays. Bon, en se fiant la communiqué final de Nabango, on dit qu'ils avaient pu se parler des coronavirus et comment faire pour lutter contre ça. Et puis. Oh, ça, c'est du n'importe quoi, Ndeko Gaston. Oui, oui. Bon, j'ai dit sur le plan officiel, ils ont parlé de ça. Mais tu as dit que pendant 4 heures du temps, ils n'ont pas que parlé de ça. En supputant, on peut s'imaginer que Talaki et Van Deli n'ont pas encore sa coalition. Mais oui. Et certainement. En fonction, a estimé que son partenaire n'était pas clair par rapport à l'avenir. Alors, c'est comme ça qu'a eu ma disposition, parce que c'est pratiquement les jours suivants à la rencontre à la Bango, mais il y a quand même une décision à changer, il y a sécurité présidentielle. Donc, ça veut dire que sur, à un certain niveau, par rapport à certaines questions liées à sa sécurité personnelle, il a eu convaincu, à monito, à changer, à bataille, soda, parce que les militaires ne marchent qu'avec les mots d'ordre de leur commandant. Mais oui, Alors, hein. si vous avez affaire à un commandant qui n'est pas de votre obédience, qui vous semble être à la solde d'une autre autorité, alors un politicien averti ne peut que changer. Ah, c'est ça que c'était, hein? C'est ça. Bon, Ndeko Gaston Yeye, vraiment, merci beaucoup. Yo, Ozali. Mungongo na biso, notre voix, kuna na Congo, à Kinshasa, to pesio botondo, comme ça, to kokutana prochainement. Merci D'accord, beaucoup. Merci. Hein. Merci. Voilà, chers compatriotes, pendant que nous parlions, une information est tombée. Voilà, le patron du TGI de la Gombe, c'est-à-dire le tribunal de grande instance de la Gombe, il s'appelle comment? Il s'appelle Songambele. Excusez-moi, il est originaire du Katanga. C'est un PPRD très dur.
Bon, il vient d'être suspendu. Mais nous ne savons pas parler de ça ce soir parce que nous recevons cette information directement de Kinshasa par téléphone. Alors, Lobi Tokolobela Likambwana, il y a juge, ceux qui jugent président, ceux qui n'ont mais à patron, il y a tribunal de grande instance du tribunal de Lagombé. Donc, Longolier, Aza suspendu. Bon, le col Azam, tu as pu perdre, tu as évité parce que, bon, na, tant qu'il y a Kabylie, tu as bandai koyoka que ceux qui ont eu un dossier, ont eu qu'au fond, tu as pu perdre. Na Isikawana, au Colonga, t'es. Donc, Azam, tu m'as corrompu, Azam, tu as Kassange. Qui Kassange, comment oui. Il est corrompu. C'est sûrement ce qui va suspendre. Il faut Ezala Nakan Yafati. Je ne crois pas et ça n'a pas de sens que ce soit Nakan FCC. Voilà. Pour information. Maintenant, nous pouvons vous informer que Vital Kamerhe et Siliponaye. Donc, Régitaki, dossier naïf deux fois, il y a demande, il y a liberté provisoire. Des Sikoyo, Tinda qui va dossier naïf à tribunal, va pécipé réponse, va fixer la date, l'issus. Donc, le 11 mai, le 11 mai, Ndeko Vital Kamerhe, Azali Kokende Nabar, Kosamba, na Batunaye, Kosamba Pena et Jamie, ce qui Jamal, Sami, quelque chose comme ça. Voilà. Mundelo ya Zoaka 47 millions, ceux qui 57 millions. Et puis il y a Bandai Kolovazan 92 ans à Zobela. Donc, Bangonyon Swana, Bakosamba. Voilà. Chers compatriotes, Ezalaki information et Pesamaki na politico.cd. Lisons. Bandeko, Babolingo, Banabetu, Bampanginabetu, Wandugu Apenzi, Wasikilizaji. Vital Kamerhe, Akobima Lissoussou T, en conditionnel ou en liberté provisoire. Vital Kamerhe, dossier Naye, Nabaninganaye, Batindi, na tribunal, pour Bale Kanabar. Voilà. Tokotanga, information oyona politico.cd ndenge bakomi bomoni titre wana. RDC Vital Kamerhe et compagnie envoyée en procès. C'est une rédaction de ce 25 avril 2020. Vous voyez? Le beau marteau de la justice, là. Donc, ils appellent ça 100 jours gate, 100 jours gate. Ouais. Quand on dit 100 jours gate, c'est le procès de Vital Kamerhe, comme les Américains disaient Watergate, ceci gate. Voilà. Voilà. Le dossier des corrompus. Alors, on continue la lecture. Le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Batété a transmis le dossier de présumé du présumé détournement des fonds alloués aux travaux dits de 100 jours du président Félix Tshisekedi par Vital Kamerhe consort en fixation au tribunal de grande instance de Gombe, notamment dans son volet maison préfabriquée. Une date pour une audience introductive d'instance pourrait être fixée dans les prochains jours, sans préjudice des mesures barrières en vigueur en plein état d'urgence sanitaire en ce qui concerne la publicité des audiences. Voilà. Selon les mêmes sources, le directeur de cabinet du chef de l'État sera jugé en même temps que Jamal Sami,
ainsi que toutes les autres personnes accusées de détournement des fonds concernant le programme des 100 jours du président Félix Tshisekedi. Selon le procureur général, il existe des indices sérieux de culpabilité contre le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, et contre Jamal Sami, le patron des sociétés Samibo et Usmal, qui était chargé de livrer 4500 maisons préfabriquées. Ils sont tous deux suspectés d'avoir surfacturé les travaux et détourné une partie des fonds. Alors, ce qui est plausible, mais reste tout de même à prouver devant le tribunal, car non seulement Jamal Sami n'a jamais fourni même pas la moitié des maisons, mais celles-ci ont été construites sans la partie assainissement. Pas de fosse septique, ni adduction d'eau, etc. Il s'est de rappeler que le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete rejeté par deux fois la demande de mise en liberté provisoire de M. Kamerhe, placé sous mandat d'arrêt provisoire le mercredi 8 avril dernier, et qui, selon ses avocats, serait très malade depuis 3 à 4 jours à la prison centrale de Makala. Je répète, il s'y est de rappeler que le parquet général, près la cour d'appel de Kinshasa Matete, a rejeté par deux fois, oui, c'est la faute de la rédaction, c'est pas ma faute à moi, a rejeté par deux fois la demande de mise en liberté provisoire de M. Kamerhe, placé sous mandat d'arrêt provisoire le mercredi 8 avril dernier, et qui, selon ses avocats, serait très malade depuis 3 à 4 jours à la prison centrale de Makala, par Thierry Mfondo. Je m'excuse. Voilà, chers compatriotes, on a déjà vu beaucoup de scénarios comme ça, mais il y a eu par le passé des prisonniers très malades et gravement malades, comme les Gekoko Mulumba et d'autres comme Coutinho, très très malades. Donc ça, c'est tout simplement du théâtre. Donc voilà, mais nous avons appris qu'une ambulance avait été placée à la prison de Makala en permanence pour surveiller l'état de santé de Vital Kamerhe. Voilà pour les 100 jours gate, le dossier de Kamerhe. Il passe bientôt à la barre. Donc, Akobi Malissou Souté. Voilà. Il risque 20 ans de prison, mais bon, ça, on verra. Yagi Matondo qui a écopé de 8 ans de prison pour un dossier de 10 millions, mais là, il s'agit de 370 millions, chers compatriotes. Donc, bon, voilà, on verra. Alors, chers compatriotes, au revoir. Boutika la malamou, benubika la mbote, wandugu apenzi, tu na maliza, tu ta onana, kesho, pampangi amono yaluzoro. Benu bikalambote betu tamalana mbasi bala betu basuive shala ibib nitu munana chikondo chikwabu kufideo mukwabu ana lingo amboshila.